4 mois après l'interview scandale qu'il a accordée à Oprah Winfrey, aux côtés de sa femme, Meghan Markle, le prince Harry n'a pas fini de faire des révélations. Lui qui s'est confié à l'animatrice américaine dans une série documentaire pour Apple The Me You Can't See, vient de signer un contrat avec la maison d'édition Penguin Random House, qui lui a versé une avance de 20 millions de dollars. Le prince Harry sortira ses mémoires. En 2022, l'année du jubilé de platine de la reine Elisabeth II, Meghan va-t-elle lui souffler ses mémoires? Une nouvelle qui a surpris jusqu'à son père, le prince Charles, qui ne l'a appris que très récemment et qui a déclenché un tsunami de peur dans la famille royale. Et pour cause, derrière les confidences honnêtes et intimes du prince, certains commentateurs veulent voir la mainmise de sa femme, Meghan Markle. Dans les colonnes du Sun, le spécialiste Arthur Edwards explique en effet, il sera intéressant de voir si sa femme Meghan écrit la majeure partie de ce livre, car elle semble écrire tout ce qu'il publie presque quotidiennement, et un proche d'ajouter, moqueur qu'il s'agira d'un livre de Harry, tel qu'écrit par Meghan. En réalité, l'ouvrage a déjà été en grande partie déjà écrit, et pourrait être bouclé en octobre prochain, si l'on en croit les proches de la maison d'édition. Pour mettre sur papier le récit de sa vie en tant que membre de la famille royale, en tant que militaire, puis en tant que mari et papa, Harry aurait fait appel à un prête-plume. Qui est l'auteur du livre? Ancien journaliste au New York Times, et lauréat du prix Pulitzer, Junior Moiringer a déjà écrit des mémoires avant de se lancer dans une collaboration avec le duc de Sussex. Il a écrit l'autobiographie du champion de tennis américain André Agassi, Open, sorti en 2009, ainsi que celle du cofondateur de Knight, Phil Knight, L'art de la victoire, sorti en 2016. Points supérieurs à supérieurs à avoir aussi, Meghan Markle montre enfin sa fille, ça y est, elle a partagé une première photo de Lily Bediana. F. À lire aussi à blog test, why?